bonjour à tous. Donc, je suis Johanna Villeneuve-Chassé. Je suis entomologiste spécialiste des insectes auxiliaires. Donc, j'ai créé mon propre laboratoire de recherche qui s'appelle Flore Insect. Et je travaille aussi pour... les clients que je peux avoir, c'est BASF, donc c'est pour ça, c'est dans ce cadre-là aussi que je vous présente les différents travaux qui ont été faits. Et sinon, je travaille dans différents domaines agricoles, donc je travaille aussi en vigne, en verger, en maraîchage, espaces verts, etc., là où on peut trouver des auxiliaires, où il y a besoin d'auxiliaires pour protéger les plantes. Donc voilà, et donc évidemment, je travaille en grande culture. Pour résumer sur colza, quels sont les bioagresseurs qu'on pourrait trouver? J'ai pas tout mis, mais après il y a une diapo qui présente tout. Mais voilà, on pourrait trouver différents types de charançons. Ici, c'est le charançon du bourgeon terminal. Vous avez les altises, donc les petites altises qui attaquent au début, au niveau de la pousse, au tout début. Et puis la grosse altise qui va pondre à partir du mois d'octobre et dont les larves vont manger l'intérieur des tiges. Vous avez également les pucerons, donc différents pucerons que vous pouvez trouver à l'automne avec par exemple Mysus. Et puis le puceron cendré du chou que vous trouvez un peu aussi au printemps. Après, donc, j'ai une diapo qui résume tout ce qu'on peut trouver comme type de ravageur, enfin de bioagresseur. Pendant la saison de la culture de colza. Donc c'est vrai qu'ils sont assez variés. Et donc l'objectif, c'est d'essayer d'avoir des auxiliaires, ou en tout cas des ennemis naturels, de tous ces types de bioagresseurs toute l'année sur l'exploitation. Donc les différents auxiliaires, donc différents services rendus par la biodiversité fonctionnelle, donc il y a la pollinisation, la prédation, le parasitisme, il y a aussi la décomposition de la matière organique, qui va dégrader donc avec les détritivores qui vont décomposer la matière organique et qui va entraîner une certaine vie du sol qui va être intéressante pour la santé du système racinaire. Alors moi je travaille plutôt en pollinisation et prédation et principalement la prédation, donc c'est sur ça que je vais vous parler exactement. Mais en tout cas, il y a des articles scientifiques qui sont sortis en novembre 2019 et novembre 2020, donc récemment, dans la revue Science Advance, qui ont montré que plus la biodiversité est importante, plus le rendement est important. Donc en fait, ils ont pris en compte justement tous ces services agro-écosystémiques, donc la pollinisation entre autres, puisqu'en fait, on a montré que plus la diversité floristique était importante, plus la pollinisation était importante, mais également au niveau du contrôle des bioagresseurs. Donc justement, quels sont tous les ennemis naturels du puceron? Alors, ils sont très variés. Là, franchement, là, sur puceron, beaucoup, vraiment variés. Donc là, je vous ai mis un représentant par famille, on va dire, mais évidemment, il y a plusieurs espèces dans toutes ces familles-là. Donc, ce qu'on cherche à avoir, c'est qu'ils soient représentés dans toute la saison, enfin dans toute la saison du colza, et qu'ils puissent interagir à différents moments. Donc, vous avez notamment les chrysopes. Donc, les larves sont prédatrices généralistes. Donc, les pompes peuvent être faites à différents moments et pas forcément quand il y a du puceron. Par contre, vous avez des prédateurs stricts de pucerons, comme les coccinelles, avec la coccinelle à 7 points qui apparaît très tôt. Donc celle-ci, on la favorise au maximum au mois de mars. Il n'y a pas de souci, elle peut être là, notamment si en bordure, vous avez des orties et des légumineuses, des févroles, des trèfles, de la veste. Donc ça, elle peut passer l'hiver à l'intérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, chez les cirches et les chrysopes, les adultes, alors que les larves sont prédatrices, les adultes ont besoin du pollen pour pouvoir se reproduire. Donc plus une femelle va manger du pollen, plus elle va pondre des œufs, parce qu'elle a besoin des protéines de pollen. Donc par exemple, elle peut pondre, s'il y a suffisamment de fleurs, elle peut pondre jusqu'à 40 œufs par jour, et qui vont donner des larves qui, elles, sont prédatrices. Donc là, il est très important, donc c'est pour ça qu'on va mettre artificiellement beaucoup de fleurs, et de façon régulière, donc par exemple, on va faire des spots fleuris un peu partout, pour que les auxiliaires puissent se nourrir de pollen, mais pondre sur la culture. Donc c'est l'objectif de toutes ces études. Donc je vais vous montrer quelques bandes fleuries. Donc là, par exemple, vous avez différents bandes fleuries, mais après, souvent, les agriculteurs me demandent, mais oui, ok, des bandes fleuries, mais lesquelles? Ça tient pas, etc. Donc voilà, mais en tout cas, il faut que ça soit source de pollen et que ça héberge des proies de substitution.
Alors, je ne sais pas s'il y en a... Alors là, on parle de colza, mais je ne sais pas s'il y en a qui font de la betterave. Mais par exemple, sur betterave, on essaye de... que le parasitoïde du puceron de Mysus puisse passer l'hiver en bordure ou à l'intérieur même de la parcelle, en bordure plutôt, parce qu'on est sur betterave, c'est semé au mois de mars, mais en tout cas en bordure, par exemple sur de la févrole, ça on sait que ça peut passer l'hiver sur la févrole. Alors d'abord il y a le résultat de ce que j'avais fait avec BASF, c'est-à-dire là c'était en bordure de blé. Donc il y a un blé sans bande fleurie en bordure et avec une bande fleurie en bordure. Donc là, vous voyez, en général, en bordure de bande fleurie, on a beaucoup plus d'auxiliaires dans le blé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que même à 100 mètres, on peut avoir plus d'auxiliaires encore. Mais tout dépend aussi de la qualité de sa bande fleurie. Donc celle-ci, là, elle est dans la Somme. Et donc ça, c'est une sixième année. Donc là, elle se débrouille presque toute seule. Il y a juste un broyage fin juillet, début août par l'agriculteur. Mais sinon, en fait, elle se débrouille toute seule, elle se ressème, etc. Donc il faut vraiment des plantes sauvages. Alors là, ici, c'est des plantes sauvages, donc elle se débrouille toute seule. On va favoriser au maximum ce type de plantes-là à la place des plantes horticoles ou même des fois cultivées qui ne se reproduisent pas forcément toujours facilement. Donc ça, c'était une sixième année. Donc on envoie d'autres photos. Là aussi, hein, on arrive même à une huitième année sur certaines bandes fleuries. Donc on essaye d'évaluer justement le temps que ça peut passer. Celle-ci, évidemment, elle va durer moins longtemps. Mais là, on est dans de l'intra-parcellaire. Donc l'agriculteur, il ne cherche pas forcément ici à ce que ça reste dans le temps. Mais là, ici, on a des résultats très intéressants avec renforcement de la pollinisation puisqu'on est sur potiron ou citrouille. Ou même on peut avoir des auxiliaires à peu près partout, sur toute la parcelle. Et donc sur chaque feuille de courge, il y avait au moins un auxiliaire. Donc voilà, je vous mets quelle bande fleurie en résumé. Il vaut mieux des plantes sauvages. Parce que moi, de ce que j'ai vu, quand on commence à être horticole, ça ne tient pas dans le temps. Donc c'est souvent ce que me demandent les agriculteurs, il faut que ça tienne dans le temps. Surtout si c'est en ZNT par exemple, ils veulent que ça tienne, que ça tienne. Alors s'il faut que ça tienne dans le temps, il faut des vivaces. Ça, c'est sûr. Et puis, on peut avoir quand même ce mélange d'annuel et de bisannuel où on a des plantes très intéressantes. On va éviter en grande culture les plantes messicoles, donc bleuets, coquelicots, niel des blés, animajus, pour éviter le salissement des parcelles. Hein, ça, c'est ce que me disent les agriculteurs. Mais en tout cas, des plantes avec du pollen accessible. Donc, par exemple, le fenouil, qui est une vivace. Donc ça, c'est intéressant. Carottes, panais, aneth, marguerite, ce genre de fleurs-là. Là, c'est du pollen accessible. Et ça, c'est très... là, on va retrouver énormément d'auxiliaires. Alors ça, c'est des... Il faut aussi... Ce qui est intéressant, c'est la floraison précoce. Et ça, on le reverra surtout dans le cas du colza, mais aussi, ça peut être sur betterave. Voilà. C'est avoir de la floraison précoce. Ensuite, il y a un parasitoïde sur colza qui va s'occuper des larves de grosse altise. Ensuite, il y a le colza associé. Alors, j'irai presque toute culture, c'est intéressant de l'associer à d'autres plantes. Déjà parce que ça va attirer les auxiliaires, nourrir les auxiliaires, ça peut être très intéressant. Mais aussi perturber les bioagresseurs. Comment détectent les bioagresseurs leurs plantes hôtes ? Donc ce sont des phytophages et ils sont vraiment liés souvent à une seule plante hôte. Donc ils vont la localiser par la vue, donc certaines longueurs d'onde. Donc le fait d'apporter d'autres plantes, on va perturber cette longueur d'onde et ils auront plus de mal à localiser leurs plantes hôtes. Ensuite, il y a les odeurs. Donc, bon, bah voilà, selon les odeurs du stade physiologique de la plante, ça va attirer tel ou tel bioagresseur. Donc, ce qu'on fait, le fait d'apporter d'autres plantes à l'intérieur même de la parcelle, ça perturbe en fait les bioagresseurs. Ils ont plus de mal parce qu'il y a plein d'odeurs différentes. Ils ont plus de mal à localiser. Surtout, ils vont peut-être préférer du colza qui, là, n'est pas associé ou l'est plus facilement localisable. Avec BASF, entre autres, on va justement essayer de voir quels sont ces auxiliaires qu'on trouve dans le colza. Donc finalement, on trouve pas mal de choses, surtout si le colza est associé. On retrouve beaucoup plus d'auxiliaires à l'intérieur même de la parcelle, donc des pollinisateurs, des prédateurs de pucerons, des prédateurs en général. Ce qu'on trouve aussi, c'est des tercilocus. Donc ce sont les parasitoïdes
des larves de grosses altises, entre autres. Mais il y en a aussi qui sont parasites de larves de charançon du bourgeon terminal et même de méligettes. Donc là, c'est vrai qu'il y a plusieurs tercilocus. Et ce qu'on voit avec une association avec févrole, on aurait tendance à avoir plus de tercilocus. Puisqu'en fait, même le tercilocus, on verra, mais a besoin aussi, alors ça je l'ai mis dans une autre diapo, mais a besoin aussi de pollen pour pouvoir se reproduire. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 20 ans, les larves de grosses altises étaient parasitées jusqu'à 60%. Avec ce taux-là, vous avez vos larves de grosses, enfin en tout cas vos populations de grosses altises qui sont contrôlées, quoi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il faut atteindre ce taux-là. En fait, l'objectif, c'est d'atteindre ce taux-là, puisqu'en fait, aujourd'hui, là, de toutes les études qui sont faites, on est plutôt à un taux de 5%. En général, maximum 10, mais voilà. Donc le tercilocus, à quoi il ressemble? Voilà, c'est le petit individu ici, c'est une petite guêpe que vous pouvez voir sous loupe binoculaire de l'autre côté. Vous pourrez en voir, il y en a plein. Et vous avez aussi les carabes. Donc les carabes qui vont prédater toutes les larves qui se laissent tomber au sol. Et parce que les larves de grosses altises se laissent tomber au sol avant de se nymphoser, et c'est le stade vulnérable, et ils peuvent les consommer. Alors, comment ça... Alors, voilà, le taux est à peu près de 10% le maximum, et on est autour de 5%. Alors, comment ça fonctionne? En fait, vous avez vos larves de grosses altises qui sont à l'intérieur de la tige. Au mois de mars, les parasitoïdes, les tercilocus, vont pondre un œuf à l'intérieur de la larve qui est à l'intérieur de la tige de colza. Donc vous voyez, c'est fortement spécialisé. Donc elle arrive à transpercer la tige de colza et la larve qui est à l'intérieur. Ensuite, la larve de grosses altises va tomber au sol. Elle va vouloir se nymphoser dans le sol pour pouvoir se transformer en grosse altise et sortir normalement au mois de juin-juillet. Là, le tercilocus qui est à l'intérieur, la larve de tercilocus qui est à l'intérieur de la larve de grosse altise qui va se nymphoser dans le sol, va être mangée de tout son intérieur. Et un tercilocus va sortir, mais par contre au mois de mars de l'année suivante. Et ils n'ont que quelques jours lorsqu'ils sortent, et où il faut pondre à l'intérieur des grosses altises, en quelques jours au mois de mars. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire normalement, c'est cultiver le colza à côté du colza N-1, ou le tercilocus qui va, il va sortir en fait de votre colza de l'année dernière. Par exemple, là, au mois de mars, il est sorti du colza de 2020. Donc il faudrait cultiver à côté, parce qu'en fait, les grosses altises peuvent voyager très loin, et elles ont le temps, puisqu'elles sortent au mois de juin-juillet, donc elles ont le temps de prospecter, alors que les tercilocus, ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils sont là qu'au mois de mars, et il faut aller au plus vite. Donc c'est un peu ce qu'on recherche à faire, et notamment, on a des résultats très intéressants là, cette année, où on a réussi à avoir un taux de parasitisme dans le Poitou de 27%. Ce qu'on cherche à avoir, c'est justement augmenter ce taux-là, sachant qu'en plus les tercilocus consomment du pollen. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est évidemment d'apporter des bandes fleuries qui fleurissent le plus tôt possible pour nourrir ces tercilocus et de favoriser donc le parasitisme au mois de mars. Mais en tout cas, c'est possible de pouvoir remonter ce taux. Il y a des résultats satisfaisants. Et en résumé, que faudrait-il faire? Alors, c'est un peu des idées, des conseils qui pourraient être faits. Il faudrait évidemment éviter l'insecticide du mois de mars, puisque les tercilocus arrivent à ce moment-là. Donc, cultiver, donc, ce que je disais, le colza près de la parcelle N-1. Faire du colza associé, puisqu'on va perturber les bioagresseurs à l'automne et favoriser les auxiliaires dès l'automne pour qu'ils soient déjà présents dans la parcelle et après en bordure avec les bandes fleuries. Et donc c'est ces bandes fleuries qui vont avoir une floraison précoce pour fournir du pollen au tercilocus, mais aussi aux autres auxiliaires qui sont ennemis naturels des pucerons, pour lesquels en fait on va faire un acicide au mois de mars. Donc si on peut éviter, voilà.